Jeudi à samedi 14 novembre 2017, il fait exactement 5 à 1 minute. Gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Radio Pola, Signal FM 90.5. C'est deuxième sortie pour semaine qui entre la KO. Bienvenue. Mais titre qui domine à l'actualité, deux policiers mourir à 4 autres blessés et puis 3 bandits tombés. C'est bilan yon gros opération police nationale d'Haïti talmené à Yelindia dans Grand Ravine, fort mercredi à Katibois. Agent PNH mourir dans échange coup de zam à présumé bandit dans zone Grand Ravine. Ministre Défense là Hervé Denis confirmé à Yelindia nouvelle force l'armée d'Haïti après mobilisé samedi 18 novembre cap Vinila dans deuxième ville pays a 150 militaires a gain pour défiler dans cap haïtien ou a gain pour suivre un reportage à Cadaline Dorival sous dossier cela. Rapport commission sénatoriale et spéciale qui tape approfondi enquête commission éthique et anticorruption sous fonds Petro-Caribéa a présenté journée madia dans Sénat République là. Un rapport qui déjà fait en pile bouche l'ouvri dans société a. Sénateur Joseph Lambert estimé rapport commission sa pata doit présenter dans meni séance journée jodi a d'après li collègue li yo pata gen assez temps pour qu'on fait connaissance avec tout document ça. Ancien ministre de Justice et Sécurité publique, Camille Edouard Junior, a dû répondre à la convocation chef paquet Port-au-Prince, journée jodia, alors que ancien ministre économie et finance, Eddie Romain Bastien, pas de félache, l'État répond à la question de Maître Oknam Klame Dameyus à Yelindia, sous l'agent qui était débloqué pour reconstruire l'aéroport Toussaint-Louverti qui t'a semblé faire route cochée. Opposition politique là a manifesté pour une autre fois journée mardi à Port-au-Prince d'après maître Evel Fanfan leader plateforme petite Dessalines Moïse Jean-Charles a présent dans manifestation ça pour continuer dénoncer loi finance 2017 à 2018 là avec départ équipe qui sous pouvoir. Pour célébrer 4 l'année existence li collectif 4 décembre dans tête collée ak divers autres organisations dans société civile là annoncé yon marche pacifique pour mardi 5 décembre k'ap vini là dans Port-au-Prince pour dire non ak corruption k'ap brasser bil administration publique là. Yon nan membre collectif là Anna Marie Issa a bien pour bay détails sur massa. C'est tout ça quelque autre encore qui va faire essentiel journal là, rete branché, n'ap tourner. Merci d'être toujours été branché Signal FM sous 90.5 là et puis sous www.signalfmhaiti.com. Manœuvre technique Serge Saint-Fleur, coordination Josué Lexidor, production Ferro des Sous en bas supervision Tom Dumont, rédaction Arnold Dorcius et puis présentation encore Arnold Dorcius. Signal sans fausse côté. Sans fausse côté. On a démarré avec un dossier la police. Porte-parole en après police nationale a confirmé qu'il y a deux agents unité départementale, médecin d'ordre Idmo qui mourit et puis il y a quatre autres qui blessés gravement grave qui prend soin l'hôpital et puis tout il y a trois présumés bandits qui tombé dans échange coup d'âme avec la police. D'après Garrido Osier, la police talmené yon opération pour te libérer population ça qui gagne longtemps pas qu'à si qu'il est dans zone Grand Ravine. En côté explication Garrido Osier qui t'a répondu à une question, Wesley Antoine. Effectivement, coopération que la police cap mené jeudi à dans zone Grand Ravine pour que nous soyons capables de permettre que la population qui vit dans zone ça est équilibrement en activité pour ce qu'on équipe bandit qui est caserné dans zone ça et lui-même, il a justement pour empêcher la population lui-même aller dans l'activité et population victime en pile de. Et groupe bandit Saro, et la police est allée justement pour éclater ces lignes de gangnam et appréhender maintenant la collègue bandit au conduire devant la justice. Malheureusement, incident est produit, il y a deux policiers et Hutmo, qui malheureusement est tombé, et suite à échange de tir avec bandit, c'est policier agent 2, Ouyard Jimmy, policier agent 2, et Philippe Dor, qui est rentré, qui était affecté dans Hutmo, qui est quatre autres policiers, qui est toujours affecté dans Hutmo, qui est blessé par balle, qui est pour le moment prend soin à l'hôpital, gagné et trois présumés bandits qui sont tombés lors de l'opération. Ça a fait exactement
dans la zone de ravine, votre Maranatha. Alors, on dit qu'il y a trois présumés bandits qui tombent et tout, mais est-ce que nous arrivons à mettre main sous des bandits dans le cadre d'opération ça? Moi, pas vraiment de tout détail. Moi, c'est son bilan partiel et que nous parlons là, probablement, dans les délais minutes qui viennent, n'a pas mesure pour nous avoir plus d'informations et concernant et activités et opérations. La police a mené un nouveau gravine. Alors, on a plutôt vendredi plutôt et la police a mené une opération au niveau jalousie. Opération d'État, sur toute jalousie. Hein. Il a commencé depuis mon calvaire, lui, 22 août. Côté que il y a 24 monde que la police a arrêté. Le commissariat Pétionville identifié 18 là-dedans, comme des monde qui impliqués dans plusieurs actes. Et pour le moment, il y a toujours encore le commissariat et Pétionville et le parquet est informé. Mais Garide Ozi, est-ce qu'on a confirmé pour nous pas de monde dans la population qui est victime de l'opération ça? Moi, pas en mesure pour me confirmer, mais je suis entrer en communication avec les responsables de l'OEO. Au moment opportun, il a informé l'auditeur du Christ, c'est Signal FM. Voilà, on t'a écouté porte-parole en appui police nationale là, Gary Desrosiers, qui t'a bail explication sous opération ça qui menait dans Grand Ravine. Fort ou en côté, trois gagnants, deux agents Idmo eux-mêmes qui est tombé là pour là. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, li bail aya lundi 3 novembre là. Ministre Ariel lundi 13 novembre pardon, ministre défense a confirmé remobilisation force l'armée d'Haïti, c'est pour samedi 18 novembre cap venir là dans ville cap haïtien. D'après ministre Hervé Denis, gen environ 150 militaires qui recevoir formation dans pays Équateur, cap gen pour défiler dans ville au cap pour commémorer 214e anniversaire bataille vertière. On suit un reportage avec Daline Dorival. Arrêté pour remobiliser la MEA a sorti 17 novembre cap vini là. Pourtant soldats yo a bien pour défiler dans la rue 18 novembre, date pour commémorer 214e anniversaire bataille vertière. Président République là Jovenel Moïse t'a déjà annoncé arrêté là. Ministre défense l'a confirmé, l'armée d'Haïti a dans la rue samedi 18 novembre cap vini là. Puisque d'après Hervé Denis, Haïti c'est un pays qui gagne tradition militaire. Que 18 novembre sont date importante pour nous. Si pas de 18 novembre, pas de gagner indépendance d'Haïti. Institution ça, que moi très fier d'en être le ministre, et d'y créer même avant même que le pays a été créé. Pour nous pas jamais oublier ça. Tout Haïtien de tout ordre qui gagne, que nous avons un pays qui sorti dans la bataille que l'ancêtre nous a fait, pour le mettre sous pied, et l'institution a été créée pour le défenseur et les longs armées. C'est l'armée indigène qui était formée de anciens libres et de nouveaux libres, qui venait, qui a arraché l'indépendance, nous au prix de lourds sacrifices que nous payons pendant, avant et après. C'est tout à fait normal que pour nous profiter de temps ça, pour qu'on ait envie de parler de remobilisation des forces armées. Nouvelle force la MEA pral gen yon lot mission ak yon lot orientation sin ka kwè Hervé Denis. Ministre défense lan fè konnen nouvo force armée d'Haïti a ap diferan par rapport ak l'armée démobilisé nan l'année 1994 la. D'après li, l'armée tout neuf sa pral la pou servi pèp ayisyen yan nan tout sikonstans. Maintenant, vision nou gen pou force armée sa, c'est d'être une armée professionnelle et bien entraînée qui est capable de défendre le pays sur tout aspect. Mission nous, c'est d'abord assurer la sécurité et la défense du territoire sur tout aspect, li, que ce soit intégrité frontière, non, maritime, terrestre, aérienne, fluviale, et participer également à notre mission dans la prospérité pays, dans le développement. Et c'est également d'être une force de réaction rapide que, au besoin, la police pas capable, peut-être une situation dépassée, sous requête exécutif là, n'a pas capable de venir en appui à la police. Ville historique qui t'a accueilli bataille vertière dans l'année 1803, dans Cap Haïtien, rendez-vous à Cassé dans la date 18 novembre, Cap Vini là. Et même si numéro 1 ministère défense l'a pas en mesure pour confirmer date état-major a bien pour mettre sous pied, alors ouais pour équipement matériel pour nouveaux soldats. Ouais pas ouais, rendez-vous 18 novembre.
N'est-ce pas, ministre Hervé Denis? Matériel nous gagne, c'est surtout matériel de pour de travaux publics. Donc nous gagne des bacolodeurs, nous gagne des excavatrices, nous gagne des camions et nous gagne bulldozers, nous gagne ambulances. Donc c'est les matériels que Corée du Sud a quitté pour nous, là où t'as allé. Donc le président gon commande d'équipement lourd que le fait, que les dit que le prêt réparti en différentes institutions, dont corps de génie Abgain. Mais... Daline Dorival, Signal FM. Merci Daline Dorival. Sénateur Saint-Lan dit l'appuyer, président République Lan qui prend décision pour remettre campé force à l'armée d'Haïti. Willow Joseph qui invite tout secteur dans vie nationale là pour corriger chef l'État pays dans initiative ça, c'est tout profiter encourager Jovenel Moïse pour continuer multiplier contacts pour qu'ajoute plus l'argent pour bien gérer nouvelle force l'armée. En côté sénateur Willow Joseph dans micro José Lexidor. Malgré tout désaccord, moi qui a président sur quelques points, sur quelques problèmes, mais sincèrement, question la meilleure, moi applaudis. Moi applaudis et demande président pour l'arranger, pour le chercher moyen, pour l'impliquer tout secteur dans la vie nationale là. Parce que quand il y a l'armée qui était démobilisée ou casée, et tout le monde connaît que grand pile monde dans la société, comme si pas la meilleure de bonheur. Ok, madame le président, faire plus contacter plus de monde possible pour parler de projet, parce que moi pour la meilleure, parce que moi-même, Willow Joseph, moi toujours, j'ai un problème avec façon sécurité pays, parce que nous avons un problème sécurité dans le pays ici, nous avons un problème frontière, nous avons un problème forêt, nous avons, elle dit la meilleure, moi pour lui, à 100%, mais moi pour l'armée professionnelle dans le pays ça, parce que tout vol nous tente de gagner là. Soit dans Petro-Caribe, c'est parce que nous n'avons pas gagné en quelle entité qui a pris responsabilité pour construire l'école, pour construire la route, pour faire tout le bagage dans le pays. Nous pensons que ça, si le président, c'est dans la logique que ça va aller, pour que l'armée a là, un, pour sécuriser le pays, pour contrôler les frontières, nous, parce que là, nous prenons décision de fermer les frontières, il faut faire les frontières, il faut prendre responsabilité. Parce que là, nous faisons ça ici, nous disons diplomatie, moi, je connais diplomatie, pas marché, ça la force. Elle dit, une fois pas la force, pas la diplomatie. Elle dit, moi, je connais ça, pays, l'autre pays, cagado. Ok? Laissez-moi regarder l'autre pays, c'est ça. Parce que la meilleure, c'est force. Moi, pour lui, et 18 novembre, moi-même, moi, je suis vêtière, moi, je vais regarder l'agir, je commence à faire. Que la meilleure, c'est démobilisé, le président a sauté à arrêter, pour le remobiliser, pas un problème. Il doit remobiliser la meilleure, mais il continue à travailler avec tout secteur. Elle dit, moi, je dis encore moins pour ça. Et je pensais tout haïtien t'as supposé adhérer avec le programme ça, parce que l'armée autrefois, c'est pas lui. C'est pas lui, je vais souhaiter ça tout. Parce que tout le monde a un mauvais souvenir de l'armée, quel que soit le monde, la meilleure là. Et donc, je pensais ça, une fois c'est l'armée ça, tout le monde t'a souhaité, je pensais que c'est bienvenu. Et que m'a dit président, je campe derrière elle, et que je demande pour tout haïtien camper derrière elle, parce que faut que le pays nous contrôle. Pour côté sénateur Saint-Lan, Willow Joseph, l'autre dossier, dans l'idée pour célébrer 4 l'année existentielle, collectif 4 décembre, dans tête collée avec diverses autres organisations de la société civile, annoncé une marche contre corruption mardi 5 décembre 2017. Là. Mouvement ça visé dénoncer Zaka corruption qu'a fin détruit administration publique là. Yon nan membre collectif là, Anna Marie Issa déclaré cause corruption, c'est si la ki pi riche k'ap vin pi pauvre, sous tête ti sa ki pi pauvre yo k'ap continue vin pi pauvre. Anna Marie Issa qui t'a participé dans émission Haïti aujourd'hui ak Tom Dimon, lancé yon appel bay politiciens yo pour pas vin de préférence politiser mouvement ça. En écoutez Anne-Marie Sia qui t'a préparé une question, Tom Dumont. Nous avons dérapé de la place de la Constitution. Au champ de Mars. Ok. Ensuite, nous avons pris l'avenue Mani. Donc, nous avons commencé dans le champ de Mars, j'aime des autres tout à l'heure. Hein. Ensuite, nous avons pris l'avenue Mani. De l'avenue Mani, nous avons fallu vers Charles Sommer, avenue Charles Sommer. De là, nous avons continué vers le ministère de la Justice. Éventuellement, nous avons un message devant le ministère. Oui, probablement. Probablement. Et de là, ensuite, avenue Jean-Paul II. Mm-hmm. De l'avenue Jean-Paul II, nous avons allé vers l'avenue Martin Luther King. Et ensuite, nous avons traversé la Lue. De la Lue, nous avons descendu vers rue Pavée. OK. OK.
pour dans les places des Nations Unies et n'a fini devant Parlement. Et c'est contre la corruption et c'est pour mettre l'ordre dans des ordres dans le pays, hein, parce que nous pensons nous pas arrêter bouche bée, fermer bouche non, pour nous quitter un pays à détruire comme ça. Et quel que soit domaine côté haïtien à souffrir, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit en Haïti, ça qui passe en Haïti, nous pas jamais été bouche bée. Mais qu'on y a, nous venons au point que nous croyons Haïti dit ça n'est assez. Le peuple n'a pas capable encore. L'île le temps pour tout le monde comprendre, c'est normal de dire ça pour défendre tête. Parce que vous n'avez pas dit oui, c'est vrai. C'est une enquête correcte qui peut faire pour que yo assure yo et que yo fait ça pour yo faire. Regardez Brésil qu'on y a ça qui a passé ou pas ouais qui ça yo fait mon yo. Prends là en Asie combien ex-président y a arrêté yo mettent en prison. En Chine, donc, je ne comprends pas. Pour qui ça, c'est nous-mêmes qui toujours accepter et puis l'on va mettre l'ordre dans des ordres, c'est persécution politique. Non, c'est enquête qui peut mener. Si c'est persécution politique, que nous gagnons des juges sérieux, nous gagnons une justice qui a fait travail pour si oui ou non, et bien des preuves que. Ça nous dit, hein, enquête nous mène, hein, c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais si nous acceptons une enquête et que et représentant paysan, yo dit que enquête la bon, sénateur, député, etc., enquête la bon, yo d'accord avec résultat, yo, bon, nous sont l'autre étape nous passer. Voilà, on t'a écouté Anna-Marie. Ça, les mêmes qui m'ont des politiciens yo pour pas venir politiser mouvement. Ça y a fait 5 décembre cap vini là. Yon ensemble activité prévoit tout yon sitin a pa gen pour organiser dans tout 10 départements géographiques pays pour appuyer marche qu'a fait 5 décembre qu'a vini là sin ka kwè yon nan initiateur mouvement ça pendant le temps participer dans l'émission Haïti aujourd'hui ak Tom Dumont Blaise Jérôme rappelé corruption c'est yon fléau kap qui empêchait pays à lui-même les développer. Dans ce sens, M. Jérôme encourageait tout haïtien conséquent pour participer dans le mouvement ça pour courir derrière corruption qui a fini avec le pays d'Haïti. Blaise Jérôme, t'as répondu à une question. Tom Dumont. Mouvement anticorruption qui déclenche, ce n'est pas un mouvement de parti politique. Ce n'est pas un mouvement sectaire. Ça signifie, ce n'est pas un mouvement qui vient à partir de rapports parlementaires. C'est un ensemble de citoyens, un ensemble de personnalités, un ensemble d'organisations de la société civile, tant que Croisade pour le développement et le progrès d'Haïti, collectif du 4 décembre, clergé catholique, là, clergé protestant, clergé vaudouisant, qui il y a plus que 2 ans à réfléchir sous problématique haïtienne, comment résoudre. Et nous finissons par comprendre que il y a un anathème. Anathème, ça signifie une malédiction qui pesait sous le pays, qui est la corruption. À partir de ça, nous dit en nous exorciser la corruption. Un président dans l'histoire d'Haïti qui a fait une tentative, c'est le président Noël Alexis, qui a engagé le grand procès de la consolidation. Quelques temps plus tard, nous parlons ouais. Il y a plusieurs dans le monde qui étaient condamnés par le président d'Haïti. Ça qui fait ça. C'est parce que c'était affaire gouvernement autonome. Il n'y a pas affaire société civile. Fois ça, nous dit, c'est toute société qui doit réunir autour de l'autel de la patrie. Pour nous dire, ça qui fait Haïti pas qu'à développer. Mais pour exemple pour nous. Nous n'avons pas attaqué aucun secteur, aucun individu. Nous avons attaqué un phénomène, un mode de pensée, un mode de gouvernement, un mode d'action qui est la corruption, qui impliquait violence, insécurité, injustice à tout l'autre mal. OK? Donc, c'est autour de l'autel de la patrie. Tout le monde a vu nous regrouper. Nous avons posé nos questions. Pour qui ça l'argent ou dirait bien décaissé plusieurs fois jusqu'à présent ou de l'ambouco fait? Mais ce n'est pas le gouvernement actuel qui décaissé l'argent. Donc, le problème corruption nous dit ça qui fait grand dans ce pas de route, c'est à cause de corruption.
Ça qui fait pas gain pour l'hôpital dans le pays, c'est à cause de corruption. Ça qui fait si mon école pas gain professeur, c'est à cause de corruption. Ça qui fait professeur l'école pas toucher, c'est à cause de corruption. Ainsi, ensemble de citoyens, ensemble d'organisations de la société civile, ensemble d'organisations paysannes, yo tout yo dit en avant en déclencher la guerre contre la corruption. Alors t'as écouté Blaise Jérôme lui-même qui t'a bail explication sous marche 5 décembre collectif 4 décembre et même ayap gain pour organiser pour célébrer 4e anniversaire existentiel dans pays a. L'autre information opposition démocratique là mardi 14 novembre journée jeudi a pas pour une autre fois manifesté dans la Riposte au Prince dans les yeux pour demander la justice mette en bas code diverses personnalités qui impliquées dans gaspillage l'argent fonds pétro Caribéa. Maître Evel Fanfan Bataba, bravo la contentement pour résultat enquête là. Mandé peuple haïtien lever campé pour capoter pouvoir en place à qui d'après lui gain en pile intention pour ta mettre campé conseil électoral partisan yon la rose ak fait amendement constitution qui a gagné force côté. Sous bon pali porte-parole coalition organisation démocratique là André Michel fait connait yo déjà écrit police nationale là parcours manifestation qu'a organisé journée madia dans Port-au-Prince en côté une après l'autre et vers le fanfan avec André Michel dans micro de donner ceci. Nous même dans petite Dessaline nous clair sur question ça zéro tolérance pour quel que soit monde qui mette meilleur dans l'argent l'état monde qui dans pays a qui c'est victime de système ça yo gagne obligation pour descendre sous béton. M'a parlé de ouvriers yo, m'a parlé de syndicats yo, m'a parlé de timasson yo, m'a parlé de militants yo, quel que soit côté nouyé dans pays a. Donc tout monde qui victime qui sentit victime dans société a journaliste yo, étudiant yo, ou gagne obligation pour al dire non à volo, pour al dire non à corruption, pour al dire non à système ça qui mettait et yo mettait un système impunité, yo gagne la justice là dans yo, yo gagne commissaire gouvernement, yo gagne juge, yo gagne tout monde. Mais jodi a et nous tenez ça qu'a parler dans parlement. Donc, ils ont déjà arrangé parce qu'ils ont dit qu'ils ont une majorité. Mais nous pouvons faire majorité à demain dans le Parlement. Tout le monde qui prend pour majorité, demain nous pouvons faire majorité à dans le Parlement, la majorité populaire. Donc, tout le monde qui vole l'argent de l'État pour nous mener exactement dans la pénitentiaire nationale. Nous avons une manifestation contre la corruption qui a fait, qui a sorti plusieurs côtés, Pétionville, Delma, Saint-Jean-Bosco, Chanmas, passé montée Delma, descendre Boudon. On a fini devant le Parlement pour nous dire zéro tolérance pour les gens qui ont volé l'argent de l'État. Quel que soit le monde qui est impliqué, c'est pour arrêter, juger. Toute formalité est déjà remplie. La police déjà notifiée pour manifestation. 14 novembre, nous prenons toutes dispositions. Habitants en Fort-Liberté dans le département nord-ouest, la crasé clôture qui barre place à Saint-Joseph, cap reconstruit depuis plusieurs mois. Il y a un mouvement de protestation pour habitants yo exprimer colère yo à cause autorité yo campé travail construction place si là. Plus détails avec Eddie Michel depuis Fort Liberté. Situation qui a évolué au niveau des Fort Liberté, au niveau place Saint-Joseph là, côté que monseigneur Kenel Alphonse na occasion fête patronale 19 mars année qui se passait là, dans présence tout le monde, les demandé première dame et Martine Moïse pour yo être capable ouais, si yo capable réhabiliter place publique Fort Liberté a, pour que jeune yo yo capable jouer beaucoup plus de divertissement, pour yo capable distraire yo. Yon demande que madame Martine Moïse lui te réponde avec un pile fierté. Mais cependant, après un petit temps, ils ont été venus débloquer Yon Kob et voyons un film qui s'est APEC pour venir réaliser le travail ça, qui a duré 3 mois. Eh bien, le travail a été démarré sans aucun problème, côté que ils ont été clôturé espace là pour réaliser l'ouvrage. Et après, yon petit temps, travail yon tapral vin campé, et ça qui va, journée jodi a gros inquiétude avec travail ça qui t'a duré 3 mois, qui t'a commencé depuis le mois août, et jusqu'à présent, travail yon même, yon bloqué. Ingénieur qui était sous place là, lui obligé de déplacer, n'a pas l'aidé. Et ingénieur Michel, et Leroy, qui quittait Ville Fort Liberté, pour qu'on est là, côté que tout travail yon même, yon bloqué. Population, pour manifester frustration yon, avec déception par rapport avec travail ça qui t'a duré 3 mois, côté que tout génial
nous obligé camper activité sport habitué fait sous place là côté gain monseigneur Kenel Alphonse grâce avec support ancien candidat à la présidence Jude Célestin qui était entreposé sous place là des matériels pour jeunes capables de faire sport et mais était obligé camper toute activité ça yo en façon pour te réaliser travail réhabilitation sous place là c'est que toute jeune télé d'accord puisque travail t'a parlé en tigeant rapide et mais tout travail vient camper depuis quelques semaines là c'est j'ai parole qui m'a bouc qui écrit tout partout dans environnement placement côté que yo dénoncé madame première dame yo dit qu'il mangeait l'argent place publique for liberté a demandé exactement que Nel Alphonse pour lui parler avec Martine Moïse mon for liberté dit prend trois coups sur placement lui-même lui capable finir non on a parlé là malgré que yo clôturé espace placement tombe c'est chaque jour ou passé et gain avec manchette yo commencé lâcher toute faïtol yo commencé lâcher bois dépacat qui était utilisé pour capable clôturer espace là pour réaliser travail ça malgré tout contact que dit qu'il fait pour le ministre de l'argent débloqué mais cependant un j'aime chef sim qui responsable pour faire travail là qui c'est APEC qui c'est et moun qui met tête lui c'est Magali Habitat responsable SNCF là mais lui même tout lui dit pourquoi j'aime recevoir l'argent alors c'est pour le ministre dit l'argent débloqué déjà pour réaliser travail ça c'est un pile frustration qu'a dégagé avec situation ça qui en pile moun qui croit président Jovenel Moïse avec toute madame t'a pas fait un travail mais ça vient faire que moun pas croit dans administration ça du tout parce que c'est des moun qui a parlé mettre là pas gain créé qui a fait tout bon vrai métropole du Nord-Est Eddy Michel signal FM. Merci Eddy Michel depuis Fort Liberté. Dans l'idée pour organiser états généraux sectoriels à la nation, hein, président République Jovenel Moïse dit le déterminé pour ça réaliser dans le pays. Chef l'État fait déclaration ça pendant week-end dans le département SID. Président Jovenel Moïse renouvelé volonté pour respecter date constitution fixée pour élection organisée dans le pays pendant 5 années mandat là. Plus détails avec Valérie François depuis Ville-Okaï. Président de la République, là, Jovenel Moïse, fait connaître la travail pour l'État généraux sectoriel nation réalisé avant longtemps. Chef l'État a mandé jeunesse là, accompagné la décision de fait connaître les gains 3 élections pour organiser pendant le mandat là. Président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse fait déclaration ça yo pendant le cabinet inauguré centre réception livraison pièce d'identité 9 novembre 2017 là dans commune Akin Okaï Valérie François signal FM journal sans fausse côté. Moment arrivé pour nous proposer publicité, mais avant d'après le titre qui déjà développé. Des policiers mourir à 4 autres blessés et puis 3 présumés bandits tombés. C'est bilan yon gros opération police nationale d'Haïti à Talamene à Yalindia dans Grand Ravine, fort mercredi à Katiboa. Agent PNH mourir dans échange coup de zam à présumé bandits dans zone Grand Ravine. Ministre Défense Hervé Denis confirmé à Yalundia, nouvelle force l'armée d'Haïti après mobilisé samedi 18 novembre Cap Vinila dans deuxième ville pays. 150 militaires à Pagain pour défiler dans Cap Haïtien où te suivi un reportage à Cadaline Dorival sous dossier Silla.
Pour célébrer 4 l'année d'existence, le collectif 4 décembre dans tête collée avec diverses organisations de la société civile annoncé une marche pacifique pour mardi 5 décembre cap venir là dans Port-au-Prince pour dire non à la corruption cap brasser bill administration publique là. Yon nan membre collectif 4 décembre Anne-Marie sa te bay explication sou parcours marche si la. Et puis Anne-Marie sa li même li mande tout politicien pour yon pa vin politiser mouvement si la. Opposition politique la a manifesté journée mardi à Port-au-Prince d'après Maître Evel Fanfan, leader plateforme Petit Dessalina Moïse Jean-Charles à présent dans mouvement ça pour continuer mander dénoncer pour continuer dénoncer loi finance 2017-2018 là et puis l'en tourner n'a venir avec rapport commission sénatoriale qui t'a approfondi enquête commission éthique et anticorruption sous gestion fonds Petro-Caribéa a présenté journée mardi à dans séance dans Sénat République là un rapport qui déjà gain en pile bouche l'ouvri dans société là. C'est qu'on goût bouche yo, mais pour nous, il fait un cacao naturel. Faire un monti monto bateau cabouelle. Faire un tisseyo trésor national qui t'aime cagé. C'est journée crème soda. La staff solide qui compte travail. Pour faire plaisir, c'est pour ça ta bataille. Crème soda ou cacao d'Haïti. Pour elle qui est glacée. Crème soda sur toute la crème soda. Crème soda bon en bouche. Crème soda qu'on remet. Soda, yep, soda, fin manger, yep, soda toujours bien, yep, soda y bon pour vous, kageli kounéa, yep, soda au local, yep, soda produit la caille, yep, soda y bay travail. Séjourné pour aller 100 ans d'expérience dans la production crème soda dans le pays d'Haïti. Ou ka reconnaître séjourné crème soda yon seule façon. Bouchon blanc qui gagne emblème séjourné à souliers, c'est séjourné crème soda. Crème soda, c'est un produit séjourné. On veut tout papa ou sous mais ou sous qu'on la confiance Borlette. Depuis c'est la confiance Borlette, tout le monde est à bord. Tout le monde est à bord. Toute zone métropolitaine à bord. Toute ville de province à bord. La confiance Borlette dans 10 départements. On doit attendre des spots là. Ouais, jour en face là. Ouais, ouais, un banc qui marquait la confiance Borlette. Deux tirages par jour. Fin jouer ou gagner ou toucher côté ou vle des pour gagner fiche la confiance. Ça qui belle là ou fin gagner dans la confiance Borlette à partir de 250 000 gourdes. Yo bon bonus en plus. Le acheter pour 50 gourdes ou gagner une chance pour faire million good. Est-ce que vous tendez? La confiance Borlette by en pile monde travaille dans 10 départements. La confiance Borlette, qui dit mieux? Contact 22 26 92 83 37 84 53 39 49 39 62 57. Pas oublier formule 1. La confiance égale MBB, mettre béton Borlette là. Manger pour bien coré, kage se cola citron, c'est l'équipe, cola citron, mais bon cola, et puis la même vous mettre posé, pour gain sécurité, pour santé, c'est cola citron, plus de 4 pays, sans temps ces journées arrivées, est-ce que nous parlons pour fêter, mandez cola ces journées, tout côté, pour faire chopper la vie plus belle, kage se cola citron, kage se cola citron, ces journées. Kage se cola citron, c'est l'équipe, c'est cola citron. Haïti est chanté. Oh, 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 oh. Et puis c'est ces journées, donc c'est cola citron pour kage. C'est cola citron. Oh, 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 oh. Marchant de cola yo. Et puis c'est ces journées, donc c'est cola citron pour kage. Ak se cola citron, chalet pas qu'à craser ou. C'est cola citron, un produit séjourné. Signal, sans fausse côté. Sans fausse côté. Merci d'être que vous toujours été connecté Radio Poala Signal FM pour informer dans l'essila n'a pas continué à cas dossier corruption. Rapport commission éthique et anticorruption qui a pas approfondi rapport ça lui-même et le sénateur Joseph Lambert fait qu'on ait rapport si là pas t'a doué et présenté journée madia dans séance qui t'a doué faite dans Sénat République là. Joseph Lambert fait quoi document ça qui gain en pile page la donne sénateur même yo pas t'a gain temps pour te analyser document ça pour t'a faire débat sous lit. En écouter explication Joseph Lambert dans micro Josué Lexidor.
C'est seulement hier ou avant-hier que moi prends possession de documents. Alors qu'à comprendre que l'on commission, membre commission prend quelques 5 à 6 mois pour lui même les faire enquête, les faire rapport, soit venir ensemble, soit venir délibérer, ou pas capable de venir pour venir défendre l'indéfendable. Tout comme pas venir tout pour moi acculer les gens à tort ou à raison. L'impératif pour que nous analysions le rapport là, bien prendre connaissance de lui, pénétrer lui, et puis si possible même font double check avec équipe pour garder ou bien vérifier ou bien contre-vérifier en quelconque donnée et pour bah, ou la latitude. Bon, la séance comme c'est programmé pour demain. Mais il faut dire que généralement, toujours une séance mardi, mercredi, jeudi. Oui, le président doit annoncer en séance parce qu'il est estimé que logique, si on était bailler rapport là une semaine à l'avance, pour que nous ayons déjà pris connaissance de lui. Mais demain, à mon humble avis, comme il va y avoir la conférence des présidents là maintenant, et c'est la conférence des présidents qui vont juger ou bien décider qui ça qui va constituer élément du jour là, et là ça n'a pas capable de décider en toute honnêteté. Personnellement, je vais proposer au niveau de la conférence des présidents qu'il n'y ait pas débat demain sur le rapport Petro-Caribé dans la séance qui est pour faire là. Pour être capable déjà d'anticiper pour moi prêter à l'aveuglette comme on est responsable. Lola ben Dion Bagay, ou bien Willow Dion Bagay, ou bien Yuri Dion Bagay, ou bien Beauplan Dion Bagay. Ça veut dire que quel que soit sénateur qui Dion Bagay, ils sont hommes d'État. Et un homme d'État, pas qu'à lui-même, la dit parole pour faire plaisir. Il faut le dire parole côté dans intime conviction. Il connaît que ça le dit, il soudé ou bien il coulé dans le béton. Moi-même, je vous dis, question Petro-Caribé, son enquête qui était nécessaire. Son enquête tout, qui pour moi-même, qui est déjà passé en commission spéciale sénatoriale Sénat. Faut que je me en vitesse, je passe les yeux, je me souviens. Il y a des bagages que peut-être nous avons ouais qui. C'est un bon travail qui fait. Il faut que je dise dans l'ensemble. C'est un travail que normalement, pour complimenter des collègues qui font. Mais n'a pas de mettre tout, que on travaille comme ça, il n'est pas parfait. Et comme il n'est pas parfait, je ne vais pas prendre tout le monde pour me mettre dans le même panier, pour mal seulement lever même pour me voter les recommandations d'une commission. Il faut que je fasse une décantation au cas par cas. Chaque monde séparément. Et puis pour nous juger de bien fonder. Chaque ça a accusé chaque grain. Et sous base à seulement, de façon pragmatique, de façon scientifique, pour que nous analysions les conclusions et recommandations de ce rapport, et en final, pour que l'homme qu'on aime voter, qu'on aime voter en toute quiétude et en toute conscience. Voilà, d'un côté, sénateur Joseph Lambert. Bon, côté par là, sénateur Willow Joseph, a lui-même tout estimé, sénateur Yo, doué gain plus temps pour ta bien analyser rapport commission sénatoriale et spéciale qui t'a approfondi enquête corruption, éthique et anti-corruption dans le Sénat République, là, sous gestion fonds Petro-Caribéa. Et l'ici de la mandé autorité judiciaire, pour mettre code dans coup tout le monde qui impliqué dans rapport ça et puis faire remettre l'argent, yo, t'es prêt, yo. Sénateur Willow Joseph, t'es nommé coach. Monsieur l'excident. C'est pas voter pour crucifier un monde, soit sous caprice on l'autre monde, soit pour satisfaire ambition politique on l'autre, c'est pas ça. Et que notre travail avec le cabinet nous, pour nous ouais, bien fonder ça qui gagne un rapport, et puis pour que nous fixions les responsabilités. Mais en Haïti, toujours un bagage qui arrive, toujours gagner enquête, toujours gagner rapport, mais pas jamais gagner sanction qui prend contre personne. Moi-même, ça, tout le monde connaît, le pays a connaît, m'a dit l'argent Petro-Caribé perdu, mon prend l'argent, il règle les affaires, m'a dit pays a souffri, pays a payé. Moi, je crois que après analyse, nous allons regarder. Tout le monde qui est impliqué, de près ou bien de loin, la justice a bien voyagé. Et nous t'as souhaité tout, la justice agit. Ce n'est pas agir pour faire mon marron, ce n'est pas agir pour arrêter mon mettre en prison, et bien ensuite, mon ne pas remettre l'argent. Faut au moins nous traçons un exemple ici, nous avons volé l'argent, ou arrêter ou faire remettre l'argent. Parce qu'en Haïti, je ne connais pas, il y a arrêté pour corruption, qui remet comme là. Elle dit, faut que justice, une fois pour toutes, fait ça qui est bon pour le pays, arrêter, mettre en prison, et puis remettre l'argent. C'est ça. Donc moi-même, je ne vais pas voter, je ne fais personne à bille, je ne vais pas voter tout.
pour me plaire personne. Aïe dire, n'a pas gardé rapport, tout ça qui est bon là donne, n'a pas avancé, tout ça qui n'est pas bon tout, n'a pas riche. Parce que moi, nous ne sommes pas venus là pour nous faire personne à lui, ni nous pas venus pour nous plaire personne. De toute façon, monsieur au travail, il faut un pire effort, il travaille. Bien que, le sénateur Lambedil là, et au cas où il y a toute information, comme le sénateur Beauplan dit ça, il dit, il y a une institution pas coopérée. Aïe dire, il n'y a pas toute information, mais ça, je ne vais pas le garder. Et j'ai l'impression, il y a des gens qui n'ont pas de rapport, et que c'est la justice qui a tranché le ça, les gens ont dit c'est qui est-ce qui te bat au l'ordre, comment ça t'est fait? Parce que faut exemple tracé une fois pour toutes. Sénateur Willow Joseph, travail commission spéciale qui t'a chargé pour approfondir rapport commission éthique et anticorruption, c'est la République là, sous acquisition gaspillage fonds Petro-Caribe a fait sans passe pour qui, signe qu'à quoi maître André Michel, pendant la mettre en doute crédibilité quelques institutions dans le pays, porte-parole coalition organisation démocratique qui a mandé pour action publique mettre en mouvement contre tout officiel qui était impliqué dans mauvais gestion l'argent Petro-Caribea. Porte-parole coalition organisation démocratique yo, André Michel t'es dans micro Dieudonné Saint-Cyr. C'est plus de 3 milliards de dollars qui dépensaient, pas qui dépensaient, qui gagotaient, qui dilapidaient, qui gaspillaient. Et nous toutes nous connaissons ça veut dire plus passer 3 milliards de dollars. Si comme ça tu investi dans l'agriculture, nous avons créé des centaines de milliers de jobs en Haïti. Si l'agence a investi dans l'environnement, dans l'éducation, dans la justice, dans la santé, dans le support des petites et moyennes entreprises, je dis à nous tous qui dans le pays, nous avons bénéficié d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est l'agence a, garçon avec femme, qui dit à faire politique, mais qui en vérité, c'est dans la mafia, c'est comme ça, vous crasé. Et scandale ça, c'est plus gros opération corruption, détournement de fonds qui pas jamais fait dans toute histoire pays d'Haïti. Dans un moment côté le monde entier, tout partout, il y a bataille contre corruption. En Arabie Saoudite, ils sont arrêtés plus passé 10 presse, mettez en prison pour voler l'argent de l'État. Tout pays dans le monde a couru derrière voler. Pas gain aucune chance pour nous rebâtir le pays sur de nouvelles bases, pour nous changer les conditions de la vie peuple là, si nous pas engager nous dans la bataille contre la corruption. Ça veut dire que ça, les gens disent que les gens ne peuvent pas avoir des petites écoles en Haïti, les gens ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas jouer de travail, les gens qui sont responsables, c'est les gens qui volent l'argent Petro-Caribéen. Et c'est ça qui fait moins croire, nous croire dans l'opposition. C'est pour nous tracer un exemple. Et le mot d'ordre là, c'est zéro tolérance. Quel que soit le monde qui est impliqué dans le vol de l'argent Petro-Caribéa, quitte ses amis, quitte ses familles, c'est pour aller dans la prison. Et je dis à nous, voler. Voler, le monde qui vole l'argent Petro-Caribéa, c'est Jovenel Moïse. Dans la question sur facturation, Lambadaire, Wilson Lalo, et tout l'autre, yo tout faut yo paraître devant la justice pour yo juger. Et dans tout pays sérieux, là, on a qui a poursuivi pour blanchiment des avoirs, tant que Jovenel Moïse. Blanchiment veut dire kidnapping, drogue, corruption. Mais quand il y a eu, ou participé dans le vol de l'argent Petro-Caribe, dans tout pays, ou obligé de démissionner parce qu'on n'a pas de moralité pour continuer à diriger le pays encore. Voilà, on t'a écouté Maître André Michel. Table résistance organisation populaire base l'ARIA exprimé doute les tout par rapport à la conclusion rapport éthique commission éthique et anticorruption c'est la République là sous gestion Petro-Caribéa. Coordonnateur table résistance là Kossi David fait connait les graves en pile accusation sans aucune preuve sénateur qui mal intentionné fait dans rapport si là dans l'idée pour sale image diverses anciens officiels dans l'état qui t'a servi pays avec honnêteté et puis dignité. Entendez Kossi David dans micro du donné Saint-Cyr. Bon rapport Emmanuel Beauplan fait sortir dans cadre l'agent Petro-Caribéa qui t'a vrai mais là nous venons suivre rapport ça qu'on force côté et pas oublier tous sénateurs ça yo qui a la tête pour dénoncer ou bien pour mener enquête ça n'a pas gagné meilleur trempé dans corps Petro-Caribéa. Nous même nous dit clair même j'avec Evans Paul rapport ça son rapport malatson qui va camper sur rien on est pour ne pas critiquer rapport ça c'est pour ne pas profiter pour poser jamais ta réussite question donc pas gros l'argent qui batte bail Brésil te bail
président Jean-Bernard Aristide prend l'argent ça, il fait propre université pâle. Je dis, on ne peut pas comprendre, c'est même Emmanuel Bonpland ça qui sont les sénateurs Lavalas, n'ont pas oublié l'argent que Jean-Bernard Aristide prend. Nous-mêmes, nous clairs nous-mêmes. Au niveau de la table de résistance, nous avons dit que le rapport ça, ce rapport malachon qui va ramener sous rien. Et on a profité de l'occasion ça pour nous finir. Nous avons apporté tout support moral. Le président Jovenel Moïse, Jean Conseil pour la discussion d'hier, il y a plein de monde, moi-même, Conseil David, qui est le coordonnateur général tabla. Nous avons dit, bon Dieu, pas quitter mourir pour la main, ça va remobiliser encore. Je dis à nous-mêmes, au niveau de tabla, nous battons grand bravo. Au contraire, 18 novembre, nous invitons tout le peuple haïtien, tout le monde en général, dans tout le quartier populaire, pour vivre mobilisation, la main, ça, qui sont la main professionnelle. Je vous dis, nous-mêmes, nous avons souhaité que le président Jovenel Moïse prend tout le monde dans l'université, les gens qui sont dans la faculté de sciences humaines, les gens qui sont dans la médecine, les gens qui sont dans toute faculté net, qui ont capacité pour servir la main. Parce que la main, son force les pour le pays. Et parce que pas de la main, qui fait que Dominique a fait ça dans le pays, nous-mêmes, nous battons un grand bravo pour le président Jovenel Moïse, pour la décision pour le prendre, qu'on est que le mettre la main d'Haïti, il fait tourner. Et je dis ça. Pour les gens qui sont dissous de la mesa, à la route, ou des dissous, je dis à nos figures là, la mer remobilise encore. Et nous avons tout support nous avec le président Jovenel. Et pour finir, si Marie va monter, si Marie va descendre, le président Jovenel fait 5 ans comme président pays. L'autre information, 10 organisations dans la société civile haïtienne, non, parmi eux, Défenseur Plus, Club Sportif Saint-Louis, pour ne citer ça ou seulement, à Paguin, pour participer dans un séminaire formation cap dirait 3 jours, ambassade à la France dans le pays d'Haïti a organisé dans le cadre projet innovant des sociétés civiles et coalitions d'acteurs. Ambassade Elisabeth Breton-Delegue fait qu'on est, programme ça vise renforcer et puis structurer organisation dans la société civile haïtienne. Haïtienne. Diplomate l'a précisé 10 organisations cap gain pour participer dans la formation ça. T'es sorti lauréat parmi 150 autres qui te recevoir. Yon projet et dans cadre yon concours ambassade France te lancé dans mois juillet passé. Plus explication avec ambassadeur pays la France accrédité en Haïti, Elisabeth Béton Delegue dans micro Wesley Antoine. Eh bien, c'est, je dirais, une composante supplémentaire de notre palette d'actions de coopération qui vise très précisément l'appui à la société civile haïtienne dans le cadre du renforcement et de la structuration de ces associations, et ce, principalement dans les domaines de la jeunesse, du sport, des femmes, de la citoyenneté, et des médias aussi, enfin en tout cas des supports justement de plaidoyer. Eh bien, comme je l'ai expliqué, innovant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une accroche qui permette de concrétiser un projet. Je veux dire, il ne s'agit pas d'appuyer le fonctionnement d'une association qui permette aussi, si je puis dire, d'être porteur ensuite de développement futur, enfin de croissance, puisque le but, c'est un peu de cet appui, c'est un peu pour amorcer des jeunes pousses, si vous voulez, des associations qui existent déjà, mais qui n'ont pas la taille critique pour. Côté ambassadeur pays la France dans Breton Delegue Namiko Resley Antoine n'a continuer avec information yo ambassadeur Union européenne dans pays d'Haïti Vincent Degère qui t'a pas présent dans lancement 3 jours conférence ça fait qu'on est pas aucun développement équitable qui qu'a fait dans pays à sans explication société sans implication société civile là diplomate là fait quoi Union européenne gagne un montant 5 millions d'euros pour renforcer organisation yo dans société civile haïtienne. En écoutant ambassadeur Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Degère, dans le micro Wesley Antoine.
les valeurs fondamentales de l'Union européenne, c'est bien sûr la démocratie, défense des minorités, l'état de droit. Donc toutes ces valeurs font partie de nos gènes, si je puis dire. Donc on est là pour soutenir également le développement de ces bonnes pratiques ici en Haïti. Donc une démocratie participative, et ça passe forcément par l'implication et l'inclusion de la société civile dans les processus décisionnels, dans les processus de préparation des lois, dans les processus de mise en œuvre ensuite de ces différentes législations. Ça procède également du fait que lorsqu'on parle du processus du changement de 2011, ça veut dire également qu'il ne peut pas y avoir de développement, je pèse mes mots, équitable et soutenable en Haïti sans une véritable implication de la société civile. Donc vous avez à la fois les moyens mais aussi les responsabilités, je pense, par rapport à votre engagement dans ce processus. Et c'est la même chose lorsqu'on parle de lutte contre la pauvreté, lorsqu'on va aborder les thématiques d'environnement, de traitement des déchets, choses comme ça. Il y a un rôle fondamental de la société civile. Un double rôle. Je pense que c'est un rôle à la fois de force de proposition, de force d'innovation, de vision également, d'aider à la définition d'une vision, d'une politique dans les différents domaines concernés. Il y a un autre élément qui pour moi est fondamental aussi. Alors, c'est un terme britannique que je vais utiliser, c'est le terme de watchdog. Donc effectivement, cette fonction de vérification, de reddition des comptes, de contrôle, où la société civile a également un rôle tout à fait essentiel et fondamental à jouer. J'en ajoute peut-être un troisième encore à cette liste, c'est les débats de société. Là, nous avons une enveloppe globale pour Haïti, comme vous le savez, de 420 millions sur la période de 7 ans. 5 millions sont destinés sur ces 420 à renforcer la société civile ici en Haïti. Alors on l'a fait déjà dans le passé à travers un programme PARCH, programme d'appui à la société civile haïtienne. On va le continuer avec un programme proche qui s'appelle donc de renforcement de la société civile haïtienne. C'est un programme qui a été décidé l'an dernier, qui vient d'être signé au début de ce mois et qui commence à se mettre en œuvre. Il y a différents éléments, trois éléments de ce point de vue-là que je voulais citer ce matin, qui je pense ont intérêt pour vous. Le premier, c'est l'encadrement légal, parce qu'il est nécessaire effectivement de renforcer la société civile et de lui donner effectivement un encadrement légal, une existence légale, de manière à pouvoir acter et agir efficacement au niveau des territoires. Donc ça, c'est un travail qui doit se faire avec les autorités et par les autorités, je dirais essentiellement. Donc il y a un effort de sensibilisation également des ministères et de l'État par rapport à cet encadrement légal que l'on souhaite réaliser. Journal Sapos Côté. Député circonscription Mimbalé a lancé un appel by autorité gouvernementale là, et spécialement ministre agriculture Carmel André Béliard, par rapport à la campagne hiver Lidi qui néglige dans plusieurs départements, tant qu'on a département centre, dans ce sens Abel Décolline, mandé président République là, Jovenel Moïse, pour accompagner Plantéo à travers pays pendant campagne hiver. Député Abel Décolline, Tenamico, Josué Lexidor. Nous avons attiré attention autorité au niveau pouvoir central là, à commencer par le président de la République, en passant par le premier ministre, surtout le ministre de l'Agriculture, des Ressources Naturelles. Gagner une tradition à travers pays, à chaque fois, le ministère de l'Agriculture, le gouvernement central, toujours venir en aide avec planteurs et travailleurs agricoles. Nous connaissons gagné plusieurs saisons, printemps et hiver. À chaque fois, gagné de distribution de semences qui fêtent et qu'on gagne de travaux, de curage, de rivières pour permettre que planteurs et travailleurs agricoles capables de travailler. Il arrive que depuis l'avènement du président Jostin Privé et le lancement officiel de Caravane, gagné un ensemble de départements non payants, puisque moi, comme député, Jovenel Moïse, comme député de Mianbalé, ressortissant du plateau central, je ne suis pas le seul parlementaire qui plaignait, qui recevait
de plaigner bon côté travailleurs agricoles et planteurs que yo pas recevoir semences. Dans moment n'a parlé là, c'est normalement ça relé campagne hiver côté Mounio, il a planté froid. Gagné besoin pour yo joindre semences. Il arrive que à travers les 13 communes du plateau central, à travers la direction départementale de l'agriculture, pas gagné aucune disposition pour Baïmounio semences. Et ça nous signale là, gagné de collègues dans le sud-est, gagné de collègues dans le nord, pour une cité département Sayo, donc qui constatait depuis plusieurs saisons, donc planteurs, travailleurs agricoles, yo pas gagné assistance à qui convient généralement du ministère de l'agriculture. Force est malheureusement de constater, c'est pendant que le président de la République, Jovenel Moïse, dit les gagnants volonté pour la relance de la production agricole, or nous constater si gagner des efforts qui fait pour assister planteurs et travailleurs agricoles, ce n'est que peut-être dans zone côté caravane li présent, pour le reste tout moun yo blié yo. Donc nous lancer appel ça avec président de la République là, si d'aventure c'est le monde qui dans structure intermédiaire yo qui t'a kembe semence yo, si c'est le monde qui dans structure intermédiaire yo qui pas ta fait travail là au niveau direction départementale du centre au niveau PAC yo, pour que yo connaît que planteurs agricoles yo, travailleurs agricoles yo, il y a plein en pile, puisque distribution semences qui était qu'on fait et de l'autre matériel yo pas joignio depuis plusieurs saisons. Donc voilà pourquoi nous t'avons attirer attention de autorité. Député Abel Descolines, gros la pluie cap tombé dernier temps ça yo sous pays d'Haïti a crasé tronçon route qui relie Fatima avec Croix Saint-Joseph nan Port-de-Paix, qui la cause habitant yo gen gros tête chargé pour prendre la rue à répondre à activité yo. Nan sens ça chauffeur qui a fréquenté route ça mandé autorité yo nan l'état pour prendre responsabilité yo. Plus de détails avec Johnny Avril, correspondant Radio Signal FM nan ville Port-de-Paix. Mardi 13 novembre 2017, là, c'est avec grosse difficulté pour paysans, 3e section Aubert, commune Port-de-Paix, fréquenté tronçon route Fatima Croix Saint-Joseph là. Situation ça vini après gros la pluie qui tombait sous section ça dimanche 12 novembre 2017 là. Ça qui occasionné chauffeur taxi moto pas capable de fonctionner, qui veut dire en haut pas monter, en bas pas descendre. À Daniel Kader, un chauffeur taxi moto qui parlait à nous, expliquer dans l'éco-signal. Bon, définitivement, avec la visa qui tombe là, nous ne sommes pas capables de faire rien. Avec en bas bloqué, en haut bloqué. Avec nous-mêmes qui déjà en haut, sans haut nous été, chauffeur qui était en bas, était en bas. Même du machin qui peut aller vendre, sortir la croix pour descendre, aller pour des pays, nous ne sommes pas capables d'aller parce que la route là infréquentable, la boue, nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais autrefois, le président était pour des pays, il dit comme ça, et route ça n'a idée pour sortir pour des pays, pour monter au piton. Si c'est un bagage à faire pour nous-mêmes, parce que nous pas capable de fonctionner, maintenant nous faisons un travail d'urgence pour nous, on a gagné en urgence pour nous capables et de regarder qui se coule capoter pour nous, une solution par rapport à route ça. Parce que si il y a un monde qui est malade, nous pas capable de mettre un transport pour nous porter aller. C'est ça veut dire que si le monde n'a pas point pour prendre support, tout bien sous cadre pour porter aller l'hôpital, laisse aller pour n'importe la quinte à mourir. Et actuellement là, dans la croix, il y a une maladie là. C'est diarrhée, vomissement qui choléra tout va fréquenter. C'est un côté qui fait fouet en pile. Alors si il y a fait un calcul pour nous, on va demander de faire un calcul avec une urgence pour nous, s'il vous plaît. Donc, nous dit, plusieurs paysans, zone ça, nous rencontrer, dit nous prendre note sous déclaration, chef l'État, Jovenel Moïse, était fait sous place cathédrale Port-de-Paix, semaine passée, concernant 300 routes, ça, il était mentionné la privée. Ensuite, troisième section, Aubert, commune Port-de-Paix. Johnny Avril, réseau mondial, signal. Merci Johnny Avril. Yon monosport pour finir, mais c'est avec résultat basket NBA dans match qui était joué hier et soyo. Golden State Warriors lui-même libat Orlando Magic 110-101. Donc 10 points différence. Cleveland lui-même Clippers, Los Angeles Clippers lui-même li tombé devant Philadelphie 105-109. Portland lui-même libat Denver 99-82. Phoenix tombé devant Los
Los Angeles Lakers 93-100, 7 points différence pour Los Angeles Lakers. Et puis Utah Jazz est tombé devant Minnesota 98-109, 11 points différence pour Minnesota. Et Milwaukee Bucks lui-même li bat Memphis 110-103, 7 points différence pour Milwaukee Bucks. New Orleans li bat Atlanta 106-105, 1 point différence en faveur New Orleans. New York Knicks lui-même li tombé devant Cleveland Cavaliers 101-104, donc 3 points différence pour Cleveland Cavaliers qui bat New York. Et puis Washington Wizards lui-même li bat Sacramento 92, Sacramento bat Sacramento lui-même li tombé devant Washington 92-110. Et puis match cap gagné à Soya, donc à 7h30 a gagné Boston Celtics lui-même li a joué avec Brooklyn, et à 8h Toronto Raptors a joué avec Houston Rockets, et puis à 8h30 San Antonio Spurs lui-même l'a joué avec Dallas. C'est tout ça nous te gagnons pour un journal signal sans force côté. Donc c'est journal ça lui-même qui rivé dans Boutli avant d'aller dans faire rappel titre qui te fait essentiel journal si là. La signal à sa force côté arrivé dans Boutli pour matin mardi 14 novembre 2017 là, mais titre qui te fait essentiel journal si là. Des policiers mourir à 4 autres blessés et puis 3 présumés bandits tombés. C'est bilan yon opération police nationale d'Haïti tal mené ailleurs lundi à nan Grand Ravine fort mercredi à Katiboa. Agent PNH mourir nan échange coup d'arme à présumé bandit nan zone Grand Ravine. Ministre de Défense là, Hervé Denis confirmé hier lundi à nouvelle force l'armée d'Haïti a remobilisé samedi 18 novembre cap vini là dans deuxième ville pays à 150 militaires a gain pour défiler dans cap haïtien ou te suivi un reportage à Cadalena Dorival. Pour célébrer 4 l'année existence li collectif 4 décembre dans tête collée avec diverses autres organisations dans société civile là annoncé une marche pacifique pour mardi 5 décembre cap vini là dans Port-au-Prince pour dire non à la corruption qui brasse bill administration publique là. Yon nan membre collectif là Anne-Marie sa te bay explication sous parcours si là. Côté tout Anne-Marie sa mandé pour politicien yo pas vin politiser mouvement si là. Opposition politique là a organisé une manifestation journée mardi dans la Riport au Prince d'après maître Evel Fanfan, leader plateforme Petite Dessaline Moïse Jean-Charles à présent dans manifestation si là pour continuer dénoncer loi finance 2017 à 2018 là à quatre départ équipe qui sous pouvoir. Rapport commission sénatoriale éthique et spéciale qui t'a approfondi enquête à corruption éthique et anticorruption sous gestion fonds Petro-Caribéa a présenté journée mardi à dans Sénat République là, un rapport qui déjà fait en pile bouche l'ouvri dans société a. Sénateur Joseph Lambert estime rapport commission sa pata doit présenter dans mini séance journée jodi a. D'après ça, le fait qu'on est collègue li yo pa gen assez temps pour qu'on fait connaissance avec document si là. Ancien ministre Justice et Sécurité publique là, Camille Junior Edouard a doit répondre journée jodi a convocation chef parquet Port-au-Prince là. Alors que ancien ministre économie et finance Yves Romain Bastien lui-même li pas de fait lâche, l'état répondre question maître Oknam Clame Damius hier lundi a sous l'agent qui était débloqué pour reconstruire aéroport Toussaint Louverture qui t'a semblé faire route crochi. C'est tout titre ça avec Claude qui t'a fait essentiel journal là. Merci d'être toujours été branché Radio Pola. Manœuvre technique là lui-même c'était Serge Saint-Fleur, coordination Josué Lex Sidon, en bas supervision Tom Dumont, Ferro des sources lui-même lui fait production et puis rédaction Arnold Dorsius. Encore présentation c'est encore lui-même Arnold Dorsius cap mando été branché tout programmation Signal FM dans une vingtaine de minutes Frank Evenson lui-même l'a venu avec le journal Réveil Info. Bye bye tout le monde, à demain matin.